Bonjour à tous et à toutes. Regardez comme il fait beau. Un petit peu nuageux quand même, un peu brumeux là à l'horizon, mais ça donne tout de même envie de, je sais pas, de se laisser porter par le vent et de s'envoler. Ici nous sommes à la forteresse des arbres. Vous savez, c'est une forteresse elfique que j'ai construite sur base d'arbres et de plateformes circulaires. Mais j'ai commencé à y construire quelque chose d'autre. Hop ça! Comme tout le monde, un navire volant est en construction, parce que c'est un petit peu à la mode, il faut bien l'avouer. Et vous ne verrez pas de bouse de terre pour faire des échafaudages, parce que j'avoue que j'avais pas tellement envie des contraintes, et donc j'ai utilisé mon mode qui s'appelle le Zombies Mod Pack pour ceux qui ont envie d'essayer, et le lien se trouvera dans la description. Parce que c'est tout de même beaucoup plus facile de vérifier la forme générale, etc. S'écarter un petit peu pour voir le résultat, casser les blocs par en dessous, aller les récupérer, etc. Alors, ce n'est pas un mode créatif parce que j'ai quand même été récolter tous les blocs nécessaires pour la construction. Mais en tout cas, voler, ça c'est clair que ça aide beaucoup. Alors, nous allons continuer ensemble si ça vous intéresse. J'ai apporté des rails parce que je me demande si ça ne donnerait pas quelque chose de correct. Ah oui, malheureusement, ils ne sont pas orientés dans le bon sens. Donc ça, il va falloir que je les corrige à grands coups de latte dans le train. Et on va faire ça. Qu'est-ce qu'il disait qu'il n'y avait pas d'échafaudage? Voilà. Pop. Alors, un rail comme ça, et si je... Est-ce qu'il va rester en place? Magnifique. Tac. Comme ça, vous voyez, c'est les cordages qui tiennent en place les voiles. Ah oui, une grande remarque qui a son importance. Ce n'est pas un bateau steampunk, donc vous ne verrez pas un ballon, un zeppelin au-dessus, des hélices, etc. C'est... purement elfique, c'est-à-dire magique, hein, comme Tolkien faisait dire à ses elfes. Magique, est-ce que nous sommes magiques? Je ne sais pas, parce que vous utilisez ce terme-là aussi pour représenter les artifices de l'ennemi. En tout cas, c'est elfique, ça c'est certain. Donc c'est de la magie elfique, le bateau il tient en l'air tout seul, il sera propulsé par le vent, c'est-à-dire ses voiles. Je n'ai pas représenté les cordages ici parce que... En utilisant des fences, donc des barrières, ça fait un peu trop lourd, un peu trop large. Ce n'est pas très beau. Donc il faut les imaginer, hein, qui sont reliés là-bas. Donc il s'agit purement et simplement de magie. Et comme ça nous permet de donner un peu libre cours à notre imagination. Alors ici, pop, tac. Tac tac. Voilà. Comme ça, on va faire pareil. Celui-là, il est correct. C'est bien. Par contre, je peux pas en mettre en dessous, mais bon, tant pis. Voilà. Pof. Pof. Tac tac. Tac tac. Voilà, alors ça c'est une première chose. Je sais c'est un petit peu spécial. Alors ce que je compte essayer, j'aimerais intégrer une couleur dans la coque. C'est pour ça que j'ai apporté de l'argile rouge. Je vais en utiliser à mon avis ici sur le gouvernail. C'est le gouvernail ce truc? Oui, hein. On disait que oui. Alors... L'ennui, c'est que là, je n'ai pas d'escalier de cette matière, donc si je fais une bande rouge qui passe ici, là, ça va chier dans le ventilo. Il faudrait que ce soit plus haut, ici. Pouette. Ma foi, c'est dommage pour les attaches, ici, ça ne sera pas centré. Bah. Évidemment, le bois qui tombe, ça va pleuvoir. Il faudra de temps en temps aller les rechercher en bas.
voilà. Je pourrais aussi utiliser de la laine, mais pour tout dire, je n'ai aucune envie de le faire. Je le ferai sur les voiles, utiliser de la laine colorée, mais je n'ai pas encore décidé de quelle couleur, si j'allais ajouter une couleur et si oui, laquelle. Je ne sais pas encore laquelle. Intéressant. Alors, allons chercher ces blocs tombés. Hop. Voilà. Alors, il y a autre chose que j'aimerais essayer. Oui, d'ailleurs, en fait, ce que je vais faire, c'est que ceci, c'est pas mal, mais c'est pas mal, sans plus. Je vais plutôt mettre des blocs rouges à la place. Voilà, ça par contre, ça va. Gnie, gnie, gnie. Oh, des escaliers, ça c'est bête, ça, hein. C'est bête, hein, messieurs les escaliers. Je vais pas pouvoir vous laisser. Tant pis. Voilà, comme il y a un trou d'un seul bloc, c'est pour ça que je n'arrive pas à récupérer, à récolter les blocs qui restent coincés là. Tant pis. Faudra aller les rechercher après. Je n'ai pas pris assez d'argile. Ça va chier. Ouais. Intéressant. Peut-être un peu trop haut cette ligne colorée, ma foi. Bon, tant pis. Ok, j'aurais peut-être même assez d'argile, dis donc. Fou ça. Alors ceci, c'est censé être la mare qui est totalement à chier, mais bon. Je vais même d'ailleurs l'enlever, je crois. Ouais, ça m'ennuie tellement de la voir que... Hop. Voilà. De toute façon, pour faire joli, les voiles sont complètement ouvertes, déployées. Et donc, si le bateau est attaché... Et sur la mare, ça n'a pas beaucoup de sens non plus, hein. Donc voilà, on va dire que. Voilà. Alors, pour les escaliers, je déciderai plus tard. Je ne sais pas encore si je vais les laisser ou si je vais les remplacer par des blocs colorés. Par contre, dans ce fax, il me semble que la couleur de ces blocs est plus... est plus claire que la couleur d'origine. J'ai l'impression... Voilà. Petit bloc ici. Petit groin-groin là-bas. Ah oui, j'avais laissé tomber, me semble-t-il. Voilà, des barrières. Viens ici, monsieur barrière. Barrière, j'ai dit. Voilà. Ça. Alors. C'est intéressant. Intéressant, mais... Tchup tchup. Non, on va enlever les escaliers et mettre des blocs colorés à la place. Ce qui fait que dans 3 secondes 6 dixièmes, je vais tomber à court de blocs. C'est génial. Va falloir que j'aille en refaire. Mais au moins comme ça, j'aurai eu l'occasion d'essayer, voir ce que ça donne. Ah, il en reste un là-bas. Ça tombe bien. Voilà. Alors, voyons ce que ça donne. Est-ce que ça valait la peine de garder les escaliers? L'idée n'était pas mauvaise, hein, mais... J'aurais peut-être dû laisser le bois foncé, en fait. Ce que je désirais faire, c'est ce que les galions avaient souvent dans le temps. Dans le temps, c'est que la partie inférieure, la coque qui était, qui allait sous l'eau, était plus claire, voire même peinte en blanc. Et donc, j'aimerais essayer de remplacer toute cette partie par du bois blanc. Bien que ce ne soit pas totalement blanc, peut-être que je devrais utiliser du quartz, mais bon, un bateau, c'est quand même fait en bois, sinon c'est un peu trop lourd, hein. Vous voyez un bateau en quartz, franchement? Sérieux? Non, moi non plus. Et donc, ce contraste avec la ligne de bois sombre aurait été peut-être plus joli quand même. Ceci, ça fait peut-être un peu trop de rouge en fait. Ouais, bon, bah il fallait essayer. Bon, bougez pas, je vais remettre le bois sombre à la place.
Voilà, retour de la ligne en bois sombre, et franchement je préfère ça. Mais ce sera plus joli avec une coque plus claire en dessous. Alors par contre, ce que je vais enlever tout de suite, c'est les trapdoors qui sont là. Je les remettrai après. Mais de toute façon, pour pouvoir remplacer la coque par du bois plus clair, de toute façon il va falloir les enlever. Ouh là là, c'est profond ce que je dis là. C'est pas grave, je suis un peu fatigué. Hop, voilà. À l'origine, j'ai pas tellement réfléchi à la texture, enfin la couleur du bois à utiliser. Je me suis concentré surtout sur la forme de la coque. Je voulais qu'elle soit réussie. Je trouve que ça va. Ça peut aller pour l'instant, ça peut aller. Voilà, alors on va faire un petit peu de tout ça. Paume. Plaf. Ensuite, les escaliers. Boum. Ouais. Encore quelques escaliers. Voilà. Ça devrait être suffisant. Non, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas ça. Comme ça. Voilà. Ça, c'est bien plus juste. Bien. Alors. Ça, c'est tous ces blocs qui vont vouloir absolument tomber. Ça va être une horreur. Je ne vous dis que ça. Regardez. Ou bien qu'ils ne voudront pas tomber et qu'ils vont rester coincés comme des glands. Ah. Il y a des limites dans la façon dont le jeu vous permet de prendre les blocs, ce qui est normal quelque part, mais bon, c'est assez chiant, on va dire chiant. Ouais, je pense que ça résume bien. Allez, prends les blocs, voilà. En plus, il y a le mode qui sert à voler, qui fait que la position du personnage n'est pas toujours bien comprise par le jeu, j'ai l'impression. Alors, est-ce que ça va? Oui. Bon, c'est un peu jaunâtre, hein, dans ce pack de textures, mais je pense que dans les textures d'origine, ça donnera beaucoup mieux. Voilà. Enfin, ça sera moins jaune, quoi. Oui, ça résume bien. Ça résume bien. Voilà. On va le faire principalement d'abord d'un côté pour pouvoir jauger le résultat et ensuite je ferai hors caméra l'autre partie pour éviter que ça devienne lassant. Voilà, comme ça. Alors là, il y a un slab. Faudra peut-être que de l'intérieur devienne clair aussi, ça je ne sais pas trop. Bloc, je me demande si j'ai pas pété une torche au passage. Ah, voilà qui est fait. Il y en avait une là, mais bon, tant pis. A pu. Pu. A pu la torche. Bon, ok. Donne-moi ma torche. Voilà. Alors là. C'est un bloc qui est visible, mais tu veux pas venir, non? T'es sûr? Ah, quand même. Voilà, et puis c'était quoi? Un escalier, ça? Comme ça? Je pense, hein. Oui. Un escalier. Alors là, ce sont des... Des quoi? Des slabs? Ce sont des dalles, ouais. Eh ben, des slabs alors, ok. Voilà, celui-là n'en est pas un. C'est un bloc entier. Non, si j'ai pas mis deux slabs l'un sur l'autre, c'est pas grave. Voilà. Alors, tac. Voilà. Un escalier à l'autre bout. Et un bloc. Ah oui, c'était deux slabs ceux-là. Bon, j'irai chercher ce qui tombe dans un instant. Ah, il y a un bloc là, non? C'est quoi ça? C'est un escalier peut-être. Je vais regarder l'intérieur, ça, parce que... Oups. Oui, j'ai déjà fait une partie de l'intérieur. On a la cale ici, avec des coffres.
En hauteur, c'est très limité, hein. C'est un peu compréhensible. Évidemment, le bateau n'est pas très grand. Je comptais en faire un plus grand après, en fait. Ici, on a donc des escaliers qui montent sur un pont supérieur. À l'arrière, même chose là. Là, c'est même un peu léger, en fait, hein, pour faire une pièce fermée. Mais je vais modifier le château arrière. Ici, de nouveau, on est vraiment à la limite du plafond. Et puis, alors, il y a le dernier étage, là. Hop, comme ceci. Mais je crois que le château, il me plaît pas trop. Je vais le changer. Ah. Et alors, qu'est-ce que je... oui, c'était là en dessous. Et c'était un escalier, d'accord. Un escalier. Pouf, voilà. Alors, la torche, à mon avis, elle est déjà morte. Elle ne le sait pas encore. Tchac. Voilà, on a ici. Ah, il y avait une échelle. Satanée échelle. Comme ça. Ça, c'est un escalier là. Là. Un escalier. Ah, encore une torche. Pauvre, pauvre torche. Je ne vous fais pas de cadeau aujourd'hui, on dirait. Ok, est-ce que c'est juste ça? Oui, ça a l'air. Ça paraît tout bizarre parce que les couleurs ne sont plus les mêmes, mais bon, ça m'a l'air correct. Donc là, c'est une dalle. Six. Voilà. Oups. Et on n'y pas toi. Non, monsieur le moustique, on ne se pose pas sur moi pendant que j'enregistre une vidéo. Allez, allez jouer plus loin. Ah. Oh. Oh là là. Bloc, c'est tout? Ouais, là peut-être? Non. Et alors, il y avait une échelle à l'intérieur. Zou. Plic bloc, voilà. Tant qu'à faire, je vais peut-être changer ceci. Parce que de toute façon, après, ça va. Voilà, donc c'était comme ça, comme ça. Et l'échelle. Tac. Voilà. Évidemment, le fait d'utiliser un pack de textures modifie l'apparence. Donc, c'est un peu dommage d'influencer son design par son pack de textures qui ne sera pas partagé par tout le monde. Mais j'essaye toujours de regarder avec un œil neutre et d'imaginer ce que ça donnerait dans un autre pack, voire même d'essayer parfois. Voilà, comme ça. Alors, ok. Je pense que c'est juste. Intéressant, mais peut-être un peu haut. Ça monte peut-être un peu haut, malheureusement. Il me semble que la couleur plus claire devrait ne commencer que un bloc plus bas. Bon, je vais changer ça hors caméra. Alors, je crois que je vais aussi modifier le gouvernail. Non, pas le gouvernail ici. Gouvernail? Le gouvernail, oui. Voilà, j'aurais dû réviser mes termes de marine avant de commencer à enregistrer ça. Ça m'aurait évité de passer pour un... Bon, 1, 2, 3, voilà. Tac. Tat-tat. Alors là en dessous, il y a des slabs. Des slabs. Voilà, il y a un petit slab ici que je mettrai après. Hop.
Et un escalier là. Voilà. Comme ça, on a une forme assez intéressante. Voilà. Bon, je vous demande une petite seconde. Je vais remettre une rangée, pardon, de blocs plus foncés. Enfin, de chêne, hein, ici. De manière que la coque plus claire ne commence, commence plus bas. À tout de suite. Voilà. Donc la coque est à présent claire jusqu'à une certaine hauteur, un bloc plus bas que précédemment. J'ai descendu d'un bloc la zone foncée. Beaucoup de travail que j'ai fait hors caméra en fait, hein. Et je trouve que ça donne pas mal. En même temps, ça, je ne sais pas pourquoi, mais ça me rappelle un tout petit peu le l'Atlantis, le vaisseau du capitaine Albator, qui lui-même avait la partie inférieure qui était plus claire. Et en même temps, ça leur donne un petit côté requin ou... je sais pas, c'est pas mal. J'aime assez bien. Bon, ensuite, je trouve que l'avant n'est pas mal. Par contre, le château arrière ne me plaît pas. Il ne me plaît pas. Nous allons donc le retravailler un petit peu. Ah oui, j'ai oublié de remettre les écoutilles. Moi, oui, admettons les écoutilles, oui. Oui, non, mais j'y vais ici, non. Ça change rien, mais non, c'est pas là. Voilà. Comme ça. Tac. Ceci et pareil en face comme ça. Pourquoi j'ai l'impression que cette voile est plus gênante que de ce côté-ci? Pourtant c'est la même chose, hein. Bon, bref, encore des impressions bizarres. Voilà. Ok, alors le château, eh bien je pense que le château il va ressortir d'un bloc de plus, à mon avis. Il va reculer d'un bloc. Comme ça. Oui. Alors, comme ceci. Bon, il faudra que... Je m'assure de bien voir que j'ai la place maintenant ici. Ah, c'est agaçant de ne pas pouvoir reprendre ces blocs. Tant pis. Tant pis. Il est parti le bloc. Au revoir le bloc. Allez, adieu. Non, j'y arrive pas. Je veux mon bloc. D'accord? Je veux mon bloc. Voilà. Celui-là, au moins, il m'emmerdera pas. Hop. Zou. Alors... Comme ça. Bon, ça fait bizarre évidemment avec ceci pour l'instant, mais ça ne va pas rester là. Comme ça. Ah non, ce que je vais faire, je sais bien, tiens. Voilà. Comme ça, et alors ici, ça évidemment, ça ne va pas. Voilà. J'ai toujours peur de ne pas faire quelque chose de symétrique à gauche et à droite. C'est pour ça que quand je casse un bloc à gauche, je le casse aussi à droite. Pour éviter après de me retrouver en train de regarder les deux côtés en me disant ça ne va pas, il y a quelque chose qui est pas pareil, mais je ne sais pas quoi. Si je fais ça. Ouais, admettons. Voilà. Là en dessous, par contre, c'est pas très joli. Là. 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 Ça? Ça devient de plus en plus lourd ce château, hein. C'est pas beau, hein, ça. Non. Quoique c'était, bah, c'était en partie comme ça, hein, évidemment. Mais
Ce que je pense faire, c'est une galerie ici, c'est-à-dire une zone où on pourra marcher. Ah, mon plancher est trop haut. Il est trop haut. Trop tôt, trop, trop tôt. Ouais. Comme ça alors. Est-ce que ça voudrait dire faire un truc comme ça? Éventuellement, oui. Éventuellement. Alors, est-ce que je vais jusque-là? J'ai quelques images sur le côté, hein, mais... En fait, ceci, ça ne me plaît pas. Ça ne dérange pas que ce soit haut, mais en fait, le château a tendance à devenir de plus en plus fin quand vers le haut, en fait. Donc, il n'est pas droit. Les côtés sont comme ça. Et le tout, c'est de savoir à partir d'où il faut commencer à rétrécir le château. Voilà. De toute façon, j'aimais pas tellement, donc je pense que il faut pas hésiter. Alors, on pourrait faire ça. Ça. Un peu large. Oui, un peu large, mais pas mal, oui. Je pense que c'est la bonne solution, c'est la bonne idée, ça. Comme ça. Ouais. Ok, et alors on fera la partie supérieure qui va être plus proéminente au-dessus. D'accord. Voilà. Clic-clac. Alors, évidemment, c'est un peu de ma faute, j'essaye de faire plusieurs planchers, voire de faire de ceci une sorte de la chambre du capitaine. Je ferais mieux de la faire un étage plus haut, ici. Ce serait plus intelligent de ma part, parce que là, il n'y aura pas, je pense, la possibilité de mettre des fenêtres. Ça va pas à cet endroit-là, hein, les fenêtres. Non, non. Ça va pas, hein, ça. Tiens. Ah oui, ça c'est un escalier à l'envers, donc je ne peux pas. Non, ça me paraît pas mal, ça. Ça me paraît pas mal du tout. Est-ce que j'ai des. J'en ai. Hein. Donne. Ouah, ça s'accroche même pas. Bon, ok. Oublie, laisse tomber. Voilà, alors la moitié sont tombées. Pzzz, là. Non, au moins un, mais c'était. C'est le plus important, c'est le dernier. Celui que je veux conserver. Alors, ici, d'accord. Alors, ça veut dire que ici, on pourrait avoir des fenêtres. Ah ouais d'accord, oui, non, mais... Pas du tout, du tout. Ah oui d'accord. Je suis enfermé. Au secours! Voilà, c'est mieux. Comme ça. Ça, c'est un slab. Ça ne l'est plus. Et oui, ça c'était un slab. Décidément, il est trop bas de plafond ce truc. Non, mais. Moi je vous le dis, moi. C'est trop bas de plafond, tout ça, c'est trop bas. Mais!